Une autre. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est quoi? Monty déménage la moto? Oui. Allez. Monty était une super motocyclette de course. Compter, jouer, éveiller et prendre soin. Depuis 2018, Céline Alazari est assistante maternelle et s'occupe quotidiennement de 4 enfants. Après une dizaine d'années dans le prêt-à-porter, la jeune femme s'est taillée un métier sur mesure. La vocation était bien là et depuis toujours. On est 4 frères et sœurs déjà dans ma famille. Et j'ai toujours aimé m'occuper des enfants, que ce soit petite. J'ai fait des babysitting et je sais pas, j'ai toujours aimé faire ça. Et du coup, je me suis dit, autant faire quelque chose qui me plaît vraiment. Donc, j'ai fait la formation. C'est de là où j'ai passé mon agrément. Et comme j'avais mes enfants, m'occuper un peu plus de mes enfants et rester un peu plus avec eux aussi pour les voir grandir. Après 120 heures de formation sur les besoins fondamentaux de l'enfant, les spécificités du métier ou encore le positionnement des assistants maternels dans le dispositif d'accueil des tout-petits, Céline a dû valider un brevet de premier secours. La nounou offre un environnement rassurant et recrée le cocon familial. Moi, ce que j'ai en garde, c'est comme si c'était mes enfants, donc je fais comme pour mes enfants. Du coup, je les soigne comme mes enfants, s'il y a à donner quoi que ce soit, j'essaye de faire comme je fais pour les miens. En fin de compte, je fais comme si c'était une deuxième maman. Moi, j'arrive pas à me détacher. Si on n'arrive pas à avoir de l'affection avec l'enfant, il sera pas bien. Donc quand moi, ceux que j'ai en garde qui me disent « nous, je t'aime », je pense que y a beaucoup d'affection et ils sont bien à la maison. De 8h à 19h30, c'est du non-stop pour Céline. Pas le temps de s'ennuyer. Le train-train quotidien n'a pas sa place dans la journée d'une nounou. Tous les jours, il va avoir quelque chose de nouveau. Il y a un bébé, peut-être qu'aujourd'hui, il sera couché, puis demain, il sera assis. Il y a toujours quelque chose qui va changer dans la journée. Et puis leur bonne humeur. Moi, le matin, j'ouvre la porte. Bonjour, nounou. Des câlins. Ça m'éblouit ma journée. Et puis, il y a des bêtises. Puis, je fais des bêtises avec eux aussi. Je m'éclate. On court beaucoup quand il y a l'école. L'après-midi, il y a peut-être 1h30, 2h où ils sont à la sieste. Et après, le soir, pareil, on va chercher tout le monde à l'école. On goûte. Et puis, on joue. On fait que jouer. Jouer, raconter des histoires. Faire la pâte à modeler, j'essaye de changer d'activité un peu tous les jours. Comme Céline, en pays mordantais, 215 assistants maternels veillent sur 658 enfants, des maillons essentiels qui constituent le premier mode de garde en France. Le relais petit enfance itinérant de la COPAMO les accompagne tout au long de leur carrière. Tu veux que je me mette plus loin? Attends. J'ai presque envie de me mettre à genoux.